l'Union des producteurs agricoles. Fait que le nom le dit, c'est l'Union des producteurs agricoles, donc on est le syndicat qui représente l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. Donc on travaille à favoriser les conditions de travail, les conditions financières des producteurs aussi, puis la promotion aussi des différentes pratiques agricoles puis des différentes innovations qui se font dans le monde agricole aussi au Québec. Il faut dire que ça fait presque 20 ans qu'on travaille sur les projets en agro-environnement à l'UPA de la Montérégie. Fait que ça, on travaillait là-dessus même avant que ça soit vraiment publicisé puis que ça suscite l'intérêt dans la population en général. Ou aussi à montrer comment les producteurs s'adaptent au changement climatique, quelles mesures qu'ils peuvent instaurer sur leur ferme pour s'adapter aux changements climatiques qui sont de plus en plus présents et qui se font de plus en plus sentir. La mission que s'est fixée Natura, c'est laquelle? Ben moi, en réalité, je suis devenu agriculteur, OK, pour question de m'auto-suffire en légumes, OK? Puis quand tu passes là, tout ton temps dans ton jardin, à un moment donné, il faut que tu payes tes taxes, il faut que tu payes tes affaires, ce que tu ne produis pas. Donc là, tu es obligé de générer de l'argent. Donc, c'est d'où mon obligation de venir qu'à vendre ce que je faisais. Okay? Et c'est de même que je suis rentré dans l'agriculture, même si j'avais une formation en agronomie. Okay? C'est comme ça que je suis devenu agriculteur. Je peux pas tout produire, je peux pas tout réussir. Donc, on produit beaucoup, mais des fois, on a des ratés dans certains légumes. Donc, surtout cette année avec la pluie, là, quand la pluie en abondante, on a certains ratés. Puis qu'il arrive là, à cause du climat là, un échec, bien là, c'est sûr que c'est plus stressant, c'est plus, ben là, c'est de valeur, mais il n'y en aura pas cette année. Il y a de l'agriculture qui est raisonnée, il y a de l'agriculture certifiée, il y a toutes sortes d'agriculture. Vous êtes quoi dans ces balises-là c'est ça, d'agriculture éco-responsable, si on veut? Bien, nous, on est certifié biologique. OK, donc depuis 2012, on est inscrit au MAPAC depuis 2010, comme j'ai dit, mais depuis 2012 qu'on est certifié biologique. Okay. Et qu'est-ce que ça prend pour être certifié biologique? Bien, c'est ne pas utiliser de produits chimiques, ni comme pesticides, ni comme engrais. C'est le gros de l'affaire, c'est d'utiliser des semences biologiques en partant. Donc, tu ne peux pas acheter n'importe quelle semence parce que tu ne sais pas s'il y a des produits chimiques dessus. Tout ce qui est organismes modifiés génétiquement ne sont pas bio non plus, ne sont pas acceptés dans le biologique. C'est vraiment là. Et le choix du nom Natura, c'est venu de quoi? Moi, je suis agronome de formation. OK, de même que mon épouse. Puis, quand tu apprends les noms des plantes, bien, c'est des noms latins. Alors, à un moment donné, on a décidé de trouver un mot qu'on pourrait trouver le nom latin de. Puis, on a pris nature. Puis là, tu regardes, c'est le nom latin de nature, c'est Natura. Alors, c'était simpliste au début, mais finalement, je trouve que ça va très bien. Si on parle de Vaudreuil-Soulanges, de territoire, combien de pourcents, selon vous, est zoné agricole? 40 %? Ah, oh, mon Dieu, hein? Bonne question. Je suis sûre qu'il y en a une qui va dire 35 %. 30 %? 20 %? Vaudreuil-Soulanges, et c'est quand même gros, Soulanges. Je dirais peut-être 40 %? Faudrait que je divise Vaudreuil-Soulanges en deux. Il y a du urbain puis du côté rural. Du côté rural, je dirais 80 %. Puis, 76. Et puis du milieu plus urbain, ce qu'on appelle la bande riveraine. Ici, là, c'est plus village. Pas loin de zéro. Comment vous voyez Vaudreuil-Soulanges dans la Montérégie? D'ailleurs, c'est une région qui est magnifique. Moi, je dis que je représente juste des régions magnifiques, mais c'est sûr que quand on a un décor comme le nôtre aujourd'hui, c'est dur de trouver mieux que ça. Bon, puis il y a le Mont-Rigaud, puis tu sais, il y a vraiment des éléments dans Vaudreuil-Soulanges qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui font que c'est une super belle région. Il y a des producteurs agricoles qui sont hyper dynamiques, très, très impliqués. C'est immanquable. Quand on vient ici, on sait qu'on se fait challenger, poser des questions, mais c'est parce qu'on a des producteurs
qui veulent progresser puis qui veulent améliorer les choses. Fait que de ce côté-là, c'est très, très stimulant à travailler avec les gens de Vaudreuil-Soulanges. Les défis, c'est clairement l'urbanisation. Bon, on sait, le Vaudreuil-Soulanges, la Vaudreuil-Dorion, ça a explosé comme population, Coteau du Lac. Donc, il y a beaucoup de défis. Depuis plusieurs années, là, on a eu quand même des bonnes batailles là, pour qu'ils comprennent l'importance de conserver notre territoire agricole. Là, on parle souvent que le développement, il faut le voir à long terme. Il n'y a rien qui se prévoit plus long terme que la préservation de notre territoire agricole. Parce qu'une fois que la terre est détruite, ça ne revient plus jamais. Là. La Montérégie est une des régions les plus agricoles ou la plus agricole du Québec? Oui, tout à fait. 30 % du produit intérieur brut agricole provient de la Montérégie et une grosse partie aussi des emplois agricoles sont issus de ce territoire-là. On est premier en production, tant en production laitière, les œufs, les légumes, le porc, donc c'est pas mal intéressant là. Aujourd'hui, on assiste à une conférence sur une conscientisation, si on veut, inspiration, conscientisation. Aujourd'hui, c'est une formation qu'on veut partager aux producteurs laitiers, bovins, qui cultivent du foin pour les sensibiliser à l'importance d'avoir des oiseaux champêtres sur leur ferme, mais plus particulièrement pour leur sauvegarde. Pourquoi les oiseaux champêtres? Parce que ces derniers nichent au sol et on les retrouve dans les champs de foin au moment où les producteurs vont les faucher. Fait que c'est là où on va causer le plus de dommages. Et donc aujourd'hui, la formation, c'est d'expliquer qu'en retardant la fauche à une date comme le 15 juillet, ça pourrait justement apporter des bénéfices pour ces catégories donc d'oiseaux. Ce qu'ils vont faire, ces espèces donc d'oiseaux champêtres comme le goglu présentement sur la ferme Vaudal ou dans d'autres champs, il y a aussi la surnelle. Ce qu'ils vont faire, ils vont aller se concentrer dans cette zone de fauche pour justement terminer donc leur nidification et permettre aux oisillons après d'atteindre l'âge adulte et de pouvoir s'envoler. Et donc là, donc nous, ce qu'on vient, on vient accroître les habitats de ces espèces en péril. Et quand est-ce qu'une main a été levée disant « faites attention à ces espèces », est-ce que c'est venu des producteurs, est-ce que c'est venu de l'environnement, où l'écho est venu de cette information-là? Alors, l'écho de pourquoi est-ce qu'on a débuté ce type de projet, c'est parce qu'on entendait souvent que le milieu agricole était responsable du déclin des oiseaux champêtres. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on est capable de faire justement pour inverser la tendance? Et c'est de là qu'en 2020, on a décidé avec Environnement Canada de mettre en place un projet qui s'appelait Mobilisation de la communauté agricole de la Montérégie en faveur des espèces en péril. Et on a donc mis en place une étude d'avant-projet. On a rencontré des experts, on a invité des producteurs, on les a mis en amont de la démarche, avec des intervenants aussi du milieu agricole, mais qui mieux est que les producteurs pour pouvoir justement s'intégrer dans cette démarche-là globale et nous proposer quel type d'aménagement ils pourraient mettre en place au niveau de leur ferme pour protéger ces espèces en péril, dont les oiseaux champêtres. Donc cette démarche était en amont aussi co-créée puis co-réfléchie avec les producteurs agricoles. Est-ce que, parce qu'il y a une expansion des vignobles, la viniculture, vers Montérégie, ici on assiste même à Vaudreuil-Soulanges, je ne sais pas, on est rendu à combien de vignobles. Il y en a plusieurs, il y en a un qu'on va aller visiter prochainement. Est-ce que les agriculteurs se réfèrent à vous? Est-ce qu'ils font affaire avec vous pour les défendre, les conseiller, les protéger? Je ne sais pas. Bien, c'est un secteur en développement. Fait qu'ils n'ont pas encore leur syndicat ou leur association accréditée à l'Union. Il demeure qu'on les représente quand même. On représente tous les producteurs agricoles. Il y a quand même des associations qui sont mises en place. Je pense notamment à l'association des sidériculteurs qui a été mise en place. Donc, eux autres, on travaille avec eux. On travaille constamment avec eux. On va voir où ça va nous amener à l'avenir. Le Bourg des Cèdres, qui est comme une petite ville, je pense que c'est un terme français pour dire petite ville, on retrouve justement différents vins qui sont associés à notre patrimoine. Qui a eu cette brillante idée? Je travaille en muséologie, donc en culture, mais j'ai une spécialité en mise en valeur du patrimoine, ce qui fait que ça a un peu paru dans le projet. Donc, on a voulu mettre en valeur le territoire par le nom de nos vins. Donc, quand vous venez faire une dégustation, je vais expliquer le cépage, je vais expliquer avec quoi que ça se boit, et après, je raconte le nom du vin.
Donc, il y a une petite histoire à chacune. Et vous dites faire de l'agriculture raisonnée. Est-ce que c'est bien ça, un type d'agriculture pour le vignoble raisonné? C'est quoi cette approche-là qu'on appelle raisonnée? Une agriculture raisonnée, c'est que l'objectif, c'est de faire le moins d'interventions possible dans le champ, donc laisser la nature faire son travail avec les petits insectes qui vont manger les autres petits insectes. Mais quand la nature est plus capable de régler le problème, on va l'aider, mais on va choisir toujours un produit qui ne sera pas trop dommageable pour l'environnement. Donc, on choisit selon un ou l'autre pour faire le moins d'intervention. Donc, le but, c'est de faire le moins de pulvérisation possible. On désherbe à la main, donc il n'y a pas d'herbicide, il n'y a rien. On est vraiment à genoux, là, en train de ramasser les mauvaises herbes autour des troncs. Puis, on va passer la tondeuse à travers le... Entre les rangs. Donc. La terre ici est fertile pour le vin? Elle est bonne? Oui, on est un petit peu comme un genre de microclimat. On est à côté du fleuve Saint-Laurent, donc ça nous amène moins de froid. On a moins de gel au mois de mai. En hiver, bien, ça tempère. En été, ça fait moins chaud. Donc ça permet de on est chanceux d'être à côté du fleuve parce que c'est très, très rare qu'on gèle au printemps. Quand on roule des vins dans Vaudreuil-Soulanges, donc? Ah, ça serait le fun. ça serait un beau projet pour réunir les vignobles et les faire connaître. Mais c'est quoi cette ferme urbaine-là? Alors ici, on est une ferme d'inclusion. Donc, on accueille des groupes scolaires, on accueille des jeunes qui proviennent des organismes communautaires, puis des gens aussi qui viennent des services sociaux. On vient ici développer des habiletés sociales, des compétences semi-professionnelles, puis aussi, on vient récolter aussi des fiertés. Et quelles sont ces fiertés? Bien, la réalisation de soi. On est capable de produire des légumes, on est capable de travailler en équipe, on est capable de réaliser toutes sortes de choses, et puis c'est ces fiertés-là. Et nourrir notre population locale aussi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes installée à Vaudreuil-Dorion? C'est la coïncidence de deux rêves. Celui de la famille, notamment Alexandre Villot, qui souhaitait avoir une petite ferme à lui, et moi qui faisais une formation en agriculture urbaine. Moi, je souhaitais démarrer une initiative comme ça, qui était communautaire, enseigner, sensibiliser les gens à l'agriculture urbaine, écologique, puis montrer que c'est agréable de cultiver ses légumes, puis que ça se fait dans un esprit qui est communautaire, qui est humain, puis en respectant aussi notre environnement et tous les humains qui y travaillent. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre beau jardin? On y trouve une panoplie de légumes. J'essaie d'avoir une grande variété pour montrer aux jeunes, à peu près, pour qu'ils soient sensibilisés à la culture d'à peu près une grande gamme de légumes qui peuvent pousser ici sous notre climat. J'amalgame aussi toutes nos cultures de fines herbes et de fleurs pour assurer une grande richesse de biodiversité sur le site parce qu'ici, nous ne sommes pas certifiés biologiques. Nous n'avons pas la certification, mais on n'a aucun intrant chimique, on n'utilise aucun pesticide. Tout ce qu'on met ici est fait de façon très naturelle. Alors c'est dans cet esprit-là qu'on cultive nos légumes. Il y avait des poules qui se promenaient entre nos pieds, entre les trépieds, puis pendant qu'on était à la caméra, je suis partie à la recherche du goglu, le l'oiseau, poule biscuit, au milieu d'un champ. Il y avait un petit malaise devant la caméra. C'est pas quelqu'un qui veut se mettre à l'avant nécessairement. Nous, on a eu comme travail de le mettre à l'aise, puis de lui poser des questions, puis de l'embarquer dans vraiment ce qu'il aime, puis ce qui l'intéresse, parce que c'est tous des gens passionnés, je veux pas qu'on va chercher. Quand je suis allée faire un tournage dans Serre, là, la pluie, elle tombait pas du ciel. Elle tombait de moi-même, de moi, de ma tête.